Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Estivales du Rire. Alors avec moi aujourd'hui dans les studios en tant qu'animateur, j'ai la chance d'avoir Johnny Striker et Tim. Salut. Salut. Hola. Alors, ça y est, le suspense arrive à son comble, on va enfin savoir qui remporte ces Estivales du Rire cette année. Vous avez une idée un peu de qui ça peut être? Moi j'ai plein d'idées. Moi j'ai pas d'idées. Avec ça on est bien parti. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est déjà de vous dire quels ont été les trois jurys pour cette édition. Alors, les trois jurys ont été Official, UMM, Coupi et Vincent C. Mais des petits genoux, hein. Des petits genoux, bah oui, mais c'est bien aussi d'avoir un avis neuf. Ah bah, c'est oui. Bon ça, les petits genoux. Il en faut. Je pense qu'on peut faire déjà un récapitulatif des 5 films qui ont été en compétition sur ces Estivales du Rire. Pour les citer dans un ordre complètement aléatoire, on a eu CMPP de Babad 1711, La Blonde, Ses Copines et Le Génie de Elsar. Par la suite, Comment en suis-je arrivé là de Code 52. Cut épisode 1, saut, ouais, c'est long, de Salico Movies. Enfin, l'entretien familial de Tim. Il y a beaucoup de films avec des longs titres. C'était long, hein, t'as vu, j'avais plus assez de souffle sur la fin. En fait, c'est ça le comique de situation. Ouais. Pour commencer, on va parler peut-être brièvement des deux qui n'ont pas été retenus pour la deuxième phase, hein, après la phase des qualifications pour le sprint final, à savoir le film de Baba 1711 et le film d'Elsar. L'un de vous deux peut nous présenter La Blonde, Ses Copines et Le Génie. Et ben alors, donc c'est l'histoire, ben c'est un peu une histoire drôle. Donc c'est réalisé par Elessa. Donc bah ben c'est un petit peu la fameuse histoire, comme toujours, hein, de la brune, de la blonde et de la rousse. Et évidemment, il rencontre un génie et le génie lui propose un vœu chacun, chacune. Et alors évidemment, hein, on peut toujours s'attendre à quelque chose de marrant puisque c'est la blonde qui va faire tout foirer leur, comme d'habitude. Tout leur souhait, quoi. Voilà, comme d'hab. Forcément, il en faut une. Ah ouais. Johnny, tu peux peut-être nous présenter rapidement l'autre film. Alors, un prof nous ouvre les portes de sa classe dite CMPP, Centre Médico-Psycho-Pédagogique. On y découvre ses élèves et on sait pourquoi ils sont là. C'est très déjanté et avertissement, le langage est cru. On ne peut pas sauver tout le monde. C'est un résumé assez complet, je dirais. Bon alors, finalement, ce sont deux films qui n'ont pas été retenus. Alors là, c'est pas par le jury, malheureusement, c'est par les votes. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retenu le nombre suffisant de suffrages pour se qualifier donc dans la deuxième phase. Donc ces films ont respectivement reçu donc pour La Blonde donc 3 votes et pour CMMPP 4 votes. Ce qui est déjà pas mal. C'est ouais, vrai ça que fait pas mal parce que c'est déjà deux voix de cut qui est juste arrivé. Maintenant, je vous propose de passer un petit peu plus en détail sur les 3 films qui sont encore en compétition avant de dévoiler le palmarès. On va commencer par le film L'Entretien familial. Ah. De quoi ça parle ? C'est un petit peu l'histoire d'un entretien d'embauche entre deux personnages qui sont apparemment assez proches. Alors c'est vrai qu'on va vite se rendre compte au fil d'une entrevue un petit peu burlesque que le lien est effectivement plutôt de parenté. Bon, j'en dis pas plus. C'est mon papa. On garde un petit peu quand même. À la fin, il meurt mangé par un requin. Ça y est, tu as si. C'est bon, ils meurent tous. Moi, j'ai pas envie. Effectivement, c'est le film de Tim qui concourt donc pour la première place. Maintenant, le film de Code 52. Comment en suis-je arrivé là? Eh ben, franchement, c'est la seule réaction que tu peux avoir pour décrire ce film, c'est comment est-ce qu'il en est arrivé là, cette tête. Exact. Parce qu'il se passe dans ce truc, t'es là, t'es wow. Il lui arrive des choses assez waouh. C'est du Code 52. Et à la fin, il meurt. Ouais, comme tout le monde. Hein. Non, j'ai pas un requin. Deux requins. À mon avis, j'imagine qu'aussi pour le film Cut épisode 1, Saw, la fin est la même. Ah ouais, non, mais là, c'est horrible. Hein. On dit que c'est des comédies, mais c'est des gros drames. À la fin, tout le monde meurt. Mais on... en gros, dans Cut, c'est une parodie, un film parodique... de Saw, alors c'est l'histoire d'un gars, bah, comme tous les Saw, qui se retrouve un petit peu dans un huis clos, tout seul, il n'a pas de moyen de sortir,
Et donc le kidnappeur sur la vidéo lui dit si vous n'arrivez pas à sortir avant 20 minutes, vous allez crever. Et évidemment, comme c'est un film parodique, le tueur sait pas trop comment le tuer. Et donc en gros, ils sont comme deux couillons en train d'attendre, en train de discuter, comme si c'était tout à fait normal. Et donc c'est à la fin, il meurt, quoi. C'est une situation un peu compliquée. Mangé par un requin. Ah ouais. Non, pas mangé par un requin. Mangé par un yeti sauvage. Ils sont vachement ressemblants, les requins et les yetis sauvages. Je vous propose de passer maintenant à notre fameux top 3. Alors attention, j'ai l'impression de faire une émission de variété. Le top 3. La chanson la plus pourrie de l'année. Non, quand même, là, on parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Parce que, en fait, l'estival, on doit le prendre sérieusement. C'est peut-être un concours comique, hein. Mais je pensais qu'il fallait prendre. Selon vous, est-ce que on va être dans les mêmes proportions que les votes du public? C'est-à-dire, à savoir, en troisième position, on avait 6 votes pour Cut. Ensuite, en deuxième position, on avait l'entretien familial avec 7 votes, donc très serré quand même avec Cut. Et en première position, Code 52. Franchement, je sais pas trop, parce que l'année dernière, le spectateur, enfin, les jurys avaient suivi l'avis des spectateurs, ce qui fait que... Mais cette fois-ci, je sais pas. Franchement, ça me rend... Moi, je peux pas trop me prononcer, puisque je suis en compétition. On m'a dit tout de suite, tu penses que tu es premier. Non, mais c'est pas ça, mais après, Code, c'était quand même un film assez sympa, et... Ça a bluffé pas mal de personnes, je trouve. Je trouve qu'il m'a surpris. Ah oui, oui. Et puis après, s'il commence à en sortir d'autres, c'est sûr que ça peut être fun. Et puis après, c'est sûr que c'est chaud aussi de dépasser Code 52, qui est devenu un petit peu le maître du comique sur le forum The Movie FR. Alors, Salico et Tim arriveront-ils à détrôner Code 52? Vous le saurez après la pub. Allez, ne nous éternisons plus, passons maintenant au verdict du jury. Alors, on retrouve en troisième position... Roulement de tambour, s'il vous plaît. Déroulement de cours. C'est magnifique. Troisième position, Cut épisode 1. So de Salico Boris. Ah bah bravo. Bravo. Félicitations quand même. Troisième place, bien mérité. Je vais me permettre au nom du jury de faire une brève synthèse des plus et des moins de ce film. Ce qui a plu surtout à notre jury, c'est ce côté complètement parodique, ce côté complètement loufoque et décalé. À savoir que il a été apprécié l'humour spontané de ce gag. Dans les moins, on pourrait dire que le gag a fini par tourner un peu en rond, donc peut-être une certaine lassitude. Néanmoins, c'était quand même déjà un très bon cours, très bonne petite comédie. Voilà. Voilà un petit peu les avis de nos trois jurys, qui, je le rappelle, sont Coupi, Official UMM et Vincent C. Alors, là finalement, je vais être obligé de donner le premier en donnant le deuxième. On est d'accord. Alors, on fait le deuxième pour le suivre d'une suite logique, quoi, mais... Ben, bien sûr. Le second. Tantantam. Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est Mohamed Ali. Roulement de tambour. Vas-y, tu le fais bien, Johnny. Bon, j'ai plus l'impression de tirer avec... Alors, en troisième position, le film. L'entretien familial de Tim. Ben c'est cool. Bravo. Bravo. Alors, à nouveau, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais parler au nom du jury pour dire quels ont été les plus et les moins. Là aussi, ce qui a vraiment beaucoup plu, c'est ce côté complètement absurde de la conversation entre un père et son fils. Les plus aussi, ça a été le fait que ce soit un gag qui, dans son ensemble, fasse vraiment beaucoup sourire. Peut-être pas jusqu'au fou rire, mais qui a fait beaucoup sourire. Ce qui a été peut-être un peu moins apprécié, c'est la blague mathématique un peu trop rapide. Effectivement, il faut avoir le temps de compter en même temps. Moi, ça m'a rendu ça perplexe. Beaucoup de choses m'ont rendu perplexe. Beaucoup de choses ont été perplexes. Mais ça reste quand même
comme pour Cut, un très bon film, un très bon cours, qui, je pense, aura quand même décroché pas mal de sourires, voire plus. Ouais, là, ça se voit pas, mais là, je... Ah, voilà, je le savais. Bon, tout ça pour nous amener forcément au premier, alors là, il n'y a plus trop de suspense, c'est Alut. Ah non, non. 52, pardon. Ah non, Alut, là, il est à la plage. Et attention, il est encore là-bas. Forcément, oui, oui, toujours en vacances. Comment ça devient ? Bon, bref, tout ça pour en revenir à mon gagnant, finalement. Donc, Code 52 avec son fameux comment en suis-je arrivé là ? Alors là, je dirais que généralement, de la part du jury, ça a été pas mal de points positifs, à savoir, c'est ce qu'on lui connaît, hein, une narration très bien amenée, très bien écrite, un film drôle, une histoire sympathique qui s'enchaîne bien. C'est un peu foufou, c'est assez drôle et c'est complètement tordu. Voilà ce qui a plu encore une fois dans le gag de Code 52. Et c'est reparti. Tu repartis gag après. Attention, on applaudit. Oh, putain, ça ressemble à rien, les applaudissements avec les micros. Ouais, c'est ça. J'avoue. On peut quand même dire une chose en fait. Parce que là, j'ai remarqué, franchement, ça fait 2 ans d'affilée là maintenant. Les jurys, ils suivent l'avis du public, c'est bien ça. Moi je trouve ça un peu louche. Ouais, il y a du passage témoignage. Je rappelle quand même que le gagnant, donc en l'occurrence Code 52, se voit offrir 2 places de cinéma valables dans les cinémas Gaumont et Pathé partout en France, les amis. Avec aussi un DVD au choix parmi Rien à déclarer, Apocalypse et ça doit être Sailor et Lula. C'est pas mal quand même pour un petit forum comme ça, amical et tout. Ah bah ouais. Ça fait des beaux prix quand même. Carrément. Bon pas trop déçu quand même, Tib. Oh bah non, de toute façon c'est juste un concours, hein, mais ça voilà. C'est... Bah oui, le principal c'est de personnes. C'est vraiment ça. La question vache, hein, quand même, de ma part, pas trop déçu. Non, non, il manque le. Bah non, mais après le, voilà. Non, tu mais... sais, avec le pip. Bande de. Non, non, bip, qu'est-ce que tu crois ? Bip, tu crois que je suis content ? Bip. Non, mais voilà, non, mais après voilà, c'était pas. J'ai pas participé pour gagner à la base, c'était vraiment pour me faire un petit délire. Et puis voilà, maintenant j'ai un premier. À chaque fois je reviens dans le forum en proposant un film, à chaque fois c'est une grosse bouse, à chaque fois je le finis pas. Et ben là je pense que c'est bon, là c'est ce qui va marquer mon grand retour en The Movies. C'est donc bien. Voilà. Non, néanmoins, regarde Vincent C qui a été jury cette fois-ci. Lui, c'est pareil, il a fait son entrée dans la communauté avec les estivales de l'an dernier et qui était un cours très péchu. Hein, oui. Comme quoi, tu vois. Il avait gagné. Comme quoi, tu vois. Il avait gagné. Il suffit de ça. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai envie de dire point final. Un point final. C'est ainsi que s'achève l'émission, quoi, finalement. Ouais. Continuez, faites des films. I need you. Et puis, on a besoin de vous, exactement. Voilà. Les amis, à bientôt. Salut. Salut, Johnny. Bye bye.